Je suis Loïc Corbery et là on est dans le décor de La Mort de Danton qu'on va jouer dans moins d'une heure maintenant. Spectacle dans lequel j'interprète le rôle de Danton, de Georges Danton, du fameux Georges Danton. C'est une pièce que Büchner a écrite à l'âge de 23-24 ans, peut-être 50 ans après la Révolution française. C'est une pièce qui part d'un constat historique, d'événements historiques, mais dont Büchner va petit à petit bouger les pièces du puzzle, transformer l'image qu'on a de ces personnages-là, et va emmener tout ça ailleurs, au-delà de l'historique, sur des réflexions politiques évidemment, mais sur des réflexions philosophiques, sur des réflexions métaphysiques, et évidemment avec un élan poétique. Comme souvent, quand je travaille un personnage, j'ai commencé avant la première répétition par me nourrir de tout ce que je pouvais trouver autour de cette figure-là, cette figure historique, et il y a beaucoup de choses. Et sur la Révolution française, évidemment, et sur le personnage de Danton. Et puis, comme à chaque fois, la veille du premier jour de répétition, j'ai fermé tous ces livres, j'ai tout rangé, et je ne me suis concentré que sur le texte qu'on avait à monter, et ce qui se passait entre nous dans la salle de répétition et sur le plateau. C'est un décor qu'on a découvert, nous, assez tôt. C'est un décor très amical. On est dans une espèce d'arène poétique, politique. Le son qui sort de notre voix fait des tours, fait des ricochets un peu partout et part vers la salle. On a l'impression que c'est une espèce de transistor, mais juste ici. C'est un décor qui parfois nous inscrit dans une image, mais qui peut avoir tendance à nous éloigner de la salle. La plupart du temps, les décors vont à peu près jusque-là, on se rapproche beaucoup plus. Mais ce qui nous permet aussi, de temps en temps, de sortir de l'image historique pour essayer d'aller parler directement aux gens à l'instant présent. Ce personnage dont on prend le risque, si on le croise, d'être changé en statue de pierre, si on croise son regard, bon, bah, se dire que 800 personnes ce soir, la première chose qu'ils verront quand le rideau va se lever, c'est le regard de la Méduse, tu dis bon... C'est une expérience pas désagréable à faire. Sachant que quand le rideau se baisse, on ressuscite immédiatement, tout va bien. Tout va bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.